Des recherches ont montré que près de 50% des consommateurs européens n'étaient pas complètement sûrs du sens de ces étiquettes indiquant les dates. Aux Pays-Bas, nous avons calculé que près de 15% de ce qui finissait à la poubelle découlait d'une mauvaise compréhension des étiquettes de date. Nous avons donc lancé une campagne pour mieux expliquer la différence entre les deux étiquettes « à consommer avant » et « à consommer de préférence avant ». Pour le « à consommer avant le », c'est sûr, il faut le consommer avant la date. La mention « à consommer de préférence avant » n'est qu'une garantie de qualité. Après, vous pouvez faire appel à vos sens, sentir et manger, et voir si c'est encore bon. Oh, hoi! Wist je dat er twee houdbaarheidsdatums zijn? Tenminste houdbaar tot kijk, ruik en proef of het nog lekker is na de datum. En te gebruiken tot gebruiken voor of op de datum. Dus met beide datums ga je anders om. Ga ook voor verspillingsvrij. Nous travaillons actuellement avec l'industrie pour créer un type de logo que chaque consommateur sache clairement « ça, c'est à consommer de préférence avant » et « ceci est à consommer avant ». Nous travaillons donc avec l'ensemble de l'industrie au niveau national pour voir si nous pouvons aider les consommateurs grâce à un étiquetage très lisible et aussi grâce à une image montrant directement ce que cela signifie et quelle est la différence entre ces types de dates.